La longueur. Salut, ça dit quoi? Ça fait longtemps. Alors je sais, avant même que j'ai fini une seule phrase, je sais que dans les commentaires il y a des « Oh t'es vivant toi, oh tu dates, oh ça fait longtemps frère, t'as pas posté depuis 50 ans, bref, on sait. » Je sais que la dernière fois, bon, c'était pas exactement la dernière vidéo que j'ai postée, mais l'avant-dernière j'avais dit « Ouais, plus d'histoire de on me voit plus pendant une semaine, blablabla. » Et au final j'ai posté le lendemain et après on m'a plus vu pendant 5 mois. Mais c'est bon, je suis là. Et si tu veux savoir pourquoi j'étais pas là, j'ai juste un truc à dire. Nique la banque postale. Pourquoi je dis ça? Oh là, je suis dans le pétrin, là, je peux pas vous répondre, je pense. Bref, je suis de retour et en plus de la vidéo Touquet que j'ai postée maintenant que tu regardes, il y a une vidéo FIFA sur ma deuxième chaîne si tu veux. Ça hors-jeu ou pas? Non? Oh le vol coup. Comment ça va les gens? Le retour pour une nouvelle vidéo. On est là avec la carrière de Franco La Longueur et on va affronter. Dans la vraie vie, ils ont joué les Nets il y a pas longtemps, les Lakers, mais bon, il n'y avait pas Anthony Davis ni Dennis Marcus Schroeder, je sais pas pourquoi je l'ai appelé. Marcus, pourquoi hein, Marcus? C'est juste Dennis, wesh. Je sais pas, mon cerveau il a fait un bail bizarre, mais. Il n'y avait pas ces deux joueurs-là, Schroeder et AD. Voilà, Fame toujours. Mais là, nous, on va jouer l'équipe au complet. On est premier de l'Ouest, ils sont troisième, c'est parti. Qui va sortir gagnant de ce duel? On va le savoir bientôt. Allez, c'est parti. Comme je disais, ils ont Schroeder, ils ont Davis, ils ont LeBron. C'est parti. On commence avec un petit fadeaway que j'ai pas voulu faire, je vais pas te mentir, j'ai pas fait exprès. Je voulais aller dunker, mais y'a rien. Ok, il m'a rendu mon fadeaway raté. Maintenant, je peux répondre avec un 3. Réussi. Let's go. Allez, viens, Dennis. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Y'a quoi au menu? Non, frérot. Ça me plaît pas, ça. C'est pas te mentir. Je mange pas de ce pain là. C'est pour toi. Allez, jouer à mettre à Donovan Mitchell, mais ok. Bruh. Hein? Bah les Lakers en plus, mais c'est quoi cette action? J'ai pas apprécié. Allez, Donovan. C'est pour toi ça. Ah là là, c'est pas pour toi du tout. Mais comment elle est pas à nous? Ce début de match, il est étrange. Il faut me défendre, mon ref. Le début de match est peut-être bizarre, mais moi je suis toujours là. Absolument pas. Par contre, là, Davis, il va nous poser des problèmes. Ouais, c'est cramé. Oh là, guette comment il attège le mec de le. Même si les Bron a raté, frère, le rebond était pour Davis facile. Le match-up Bogdanovic-Davis, là, ça va être un problème. Ah là là, les deux là, ils vont nous tuer. Les mecs qui les défendent là, ils sont pas prêts. Let's go! Et Schroeder, il est pas prêt pour moi. C'est pour toi, Rudy. Récupère-moi ça. Non? Ah ouais, d'accord, les Bron, c'est comme ça. Tu sors de moi, tu veux pas venir. Je crois que tous les paniers qui ont été mis par les Lakers là, peut-être un ou deux, c'était pas Davis et les Bron. Et moi, tous les paniers des Jazz, c'était moi. Ce match, c'est vraiment un cerbère, un chien à trois têtes. Et ouais, Franco, la mythologie là. Ça, Rudy, let's go. Deuxième tonkar. Passe-moi le tonkar. Pas sur le radar. Pas den one batter. Ah, ça c'est le match-up qu'on veut. Pas Davis et LeBron. Fille là, Harrell, défendu par Gobert. Si je pouvais changer les défenseurs, mettre Gobert sur Davis, ce serait lourd, mais je peux pas. Ah! Wesh! Comment il l'a pas, s'il marque, jamais. Let's go, allez. Il y a toute l'équipe autour de moi, mais on se débrouille. On va se glisser jusqu'au panier. Oh là là, LeBron, il tue les mecs qui le défendent au poste, là. En même temps, Mitchell, il va faire quoi contre LeBron? Guette le poids. Let's go. Allez, on n'est pas là pour blablater, Los Angeles. Vous êtes chez nous, on va pas rigoler. Oh oui, let's go. En l'air, en l'air. Oh, j'ai envie de l'attraper. Oh, j'aurais pas dû la demander en l'air, on dirait, dommage. J'ai voulu faire le show. On dirait que je me suis senti trop chaud, justement. C'est ça, Bogdanovic. Schroeder est là. Oh, on a coupé le chauffage pour Schroeder. Ah, ça, c'est ce qu'on aime pas. Ça, c'est ce qu'on aime pas du tout. Ouais. Il a dégusté Denis, là. Tu te calmes, Denis? Ouh, quatrième carton. 10 points d'écart. C'est ce qu'il nous reste à faire. Non, c'est pas tout ça, mais on peut jouer ou on va continuer à zoomer sur mon joueur pendant 5 heures? Merci, les refs. D'accord, frère, on a un Poudlard? Comment ils ont disparu? Attends, une faute flagrante? Bah parfait, nice. Ok. Allez, on en met au moins. Let's go. Non, y'a pas faute. Conteste. Mais quoi? Voilà, contestez, merci, vous êtes des ouf. Jamais y'a faute. Merci pour... Ok, pas pour nous, j'ai rien dit. Je devrais avoir un bloc sur mes stats, d'ailleurs. Ah, il marque quand même. Let's go. Au sol, Harrell. On va revenir. T'inquiète même pas. Protège bien cette avance parce qu'on va la toucher.
je te le dis. Oula, c'était bizarre comme phrase. C'était très bizarre même. Je sais pas ce que c'était, mais c'est dans le panier, allez. Super. Oh oui, mais il court mon ref, qui l'attend. Let's go. T'as dit qu'on allait revenir ou pas? Costaud. Let's go. Arrête de chipper. T'es dit on va nulle part. Donovan, s'il te plaît mon ref. Oh, je le sais déjà, oh là là. Bogdanovic, heureusement que t'es là. Easy, merci. 5 points, 4 minutes, tout est carré. Ah, ça, on n'aime pas du tout. Ah, let's go. Ah. Mais non, il va le mettre, je sais. Oh. Ce jeu... On aime, c'est parti, on s'envole. Il faut vraiment, vraiment qu'on soit sérieux là, parce que 6 points, chaque panier, il va faire très très mal. Comme celui-là. Yes. Allez, réponse immédiate. Allez, devant. Il est tout seul, allez. Merci, 4 points. Ah là 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 là. Ah là là. C'est chaud quoi, c'est chaud. Appelez les pompiers. Oh, oh, genre. Oui, merci. Direct, 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 hésite pas. Oh, le triple takeover, j'ai même pas fait gaffe. On prend. Oh, c'est le moment parfait pour avoir le contrôle de toute l'équipe en plus. Oui. Ah, il peut le rebond. Eh, ça, c'est pas bon. Il est froid. Et on en profite. Ouh. Non. Non, il l'a eu. Arrête. Oh, je croyais fort, il l'avait jamais. Psst. Ah là là. Ah, la perte de balle a coûté cher. Donovan. C'est moi qui te contrôle cette fois. C'est moi qui te contrôle. 3 points. C'est à qui l'a donné. Oh! Pourquoi il faute? Pourquoi il faute? Non, non, non. Ah, je croyais qu'il allait faire faute automatique. Ah, mais à 25 secondes. Ah, il faut la faire, hein, il faut la faire. Faut qu'on essaie de mettre un 3 derrière. Sauf si LeBron en rate un, ça serait lourd. Oh, j'aurais dû tirer là, quoique. Je peux tirer ici. Fou, fou, fou. Igualdad! Et Schroeder, il a dormi tout le match, mais ça me pose aucun problème, frère. S'il veut plus de somnifères, il a qu'à me demander. Il en reste 13 secondes, frère. Oh là là, tellement de temps. Ouh, temps mort, temps mort. On peut pas. J'ai mitraillé toutes les touches pour essayer de faire temps mort, mais c'est vrai que c'est la manette d'Xbox, donc j'ai pas l'habitude. On part en prolongation. Hein. C'est passé crème. J'avais oublié que je contrôlais toute l'équipe. Bah, c'est parti, Bogdanovic. Bon, un casseur est trop long, on dirait. On en profite. On a fait le taf, on est revenu. Maintenant, faut finir tout ça en prolongation, là. On n'a pas fait tout ça pour aller perdre. T'es un ouf. Easy. Costaud. Schroeder peut pas nous stopper. Je me rappelle de l'époque où il y avait prolongation et on finissait sur le banc. Heureusement, c'est plus comme ça. Oh, j'ai voulu prendre Gobert pour aller bâcher, mais il est pas venu à temps. Easy. Dennis Schroeder ne peut pas nous ralentir. Encore la longueur, c'est une Ferrari. Et Dennis Schroeder, c'est une autoroute. Sans limite de vitesse. Elle nous a semé sur la route comme ça, il nous prend, il nous fait la course. Où elle veut nous semer? Je suis pas sûr de cette métaphore, mais on va la garder. À l'Ingles. Ah, dommage, je connaissais pas trop son tir, je t'avoue. Ah, on est plus avec l'équipe maintenant, ça y est. Easy, easy, easy. On se glisse dans la défense. 51 points. Peut-être notre plus gros match de la saison pour l'instant. Et il tombe contre la bonne équipe. Mais LeBron, lui, il veut pas se laisser faire non plus. Allez, frère, faut défendre. Moi, je profite, hein, ouf. Les paniers, c'est pas gratuit. Si j'en vois un comme ça donné, je prends. Oh 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 oh. Ouh, heureusement que Schroeder il est vraiment pas dans son game hein. Ah. Non mais non mais non mais George rate ça. George rate ça. Oh, heureusement les Brownies ratent aussi. On va temporiser un peu. Ça y est, allez Rudy. Dommage, dommage. Je t'avoue j'aurais pu marquer mais j'ai voulu faire croquer. Et j'aurais pas dû. Ouh, j'aurais vraiment pas dû. Oh là là. Oh, ça m'a atteint à nous. 5 fautes, 5 fautes, ok. Allez, il nous faut les lancer là. Let's go. Oh, le deuxième. Bon, on gagne 3 points. On gagne toujours 3 points. On gagne toujours 3 points. Allez. Oh, alors là. Alors là, les drones, fallait venir plus vite, hein. Faut aller venir bien plus vite que ça, gros. Nos adducteurs sont des réacteurs, tu le sais, frère. Faut aller venir plus vite. Bah d'accord, mais ok, mais... Vous nous rentrez chez nous direct, alors. Est-ce que cette défense? Bon, moi, c'est un 2. On gagne toujours les 3 points. Mitchell a juste à mettre un des deux et on est très très bien. Juste un. Et il met le premier, parfait. S'il met le deuxième, franchement, là... Ça devrait plier. Un numéro 45, fais ton taf, bien sûr. Allez, on a fait un pur taf. Quatrième carton et prolongation, là. Est-ce plus qu'à pas prendre de 3.
Ouais, il voulait pas tirer, il savait très bien qu'il fallait un 3 de toute façon. Vas-y, prends ton rebond, rien à battre. Allez, c'est fini. On l'a fait. On l'a fait. Ouf! 56 points pour ramener la team dans le game. C'était pas simple, mais c'est passé. Flash Nikki. Je parlerai pas de ton costume, t'inquiète. Ok, un nice win pour ton team tonight. Et vous, were a force on the offensive end. What was your mentality when you had the ball in your hands tonight? Je voulais être un leader technique et vocal, j'ai cherché des tirs faciles. On était clairement un leader, jusqu'à on a contrôlé toute la team tellement on était un leader. Là. Junior was full on alpha predator when he had the ball. Predator alpha carrément. Ah bon. look. I was like a grizzly, maybe even a shark. Exactement. Plain as day, I was devouring any and everybody that came in my way, came in my space. They don't want to mess with me. All right, well you heard it here from the T-Rex of basketball. Le dernier animal agressif. Extinct or not? Always a pleasure, Junior. Le macro du tas. Thank you, Nicky. Okay, back to you, Ernie. Ouais, j'aurais pu trouver mieux, je sais. Mais Franco, un macro, c'est pas agressif. Pourquoi tu dis ça? Comment avez-vous fait pour bloquer l'équipe d'en face? C'est comme ça, on est comme ça. On les a pas bloqués, on a réduit leur efficacité. On est comme ça, frère. Well, c'est easy, that's what we do. That's who we are. Yeah, we're not gonna let you just walk into your favorite sets. We definitely not gonna let you just get in your favorite spots. It's that simple. You had a ton of energy on that side of the court. Yeah, we did. Because like I said, that's what we do. Yeah, we're gonna bring it that way every single night. If you think you're just gonna waltz in here and get whatever shot you like, well, you are in for a rude awakening. Not on this squad. À la fin de ce match, on a fait ce qu'on appelle communément chez nous un boulot. On a tous nos badges défensifs, c'est quoi? Est-ce qu'on se la joue comme as? De toute façon, on peut pas monter ça avant défense extérieure 94. Et celui-là, bon. Il est bien or. Partir. On a déjà joué deux fois contre Jai il y a pas longtemps. Et OKC, okay, si, ils sont en 3-18. Donc, c'est quoi? On va passer direct. Est-ce qu'on passe direct à Golden State, on les a joués il y a pas longtemps aussi. J'ai bien envie de voir si Karl Anthony Towns se fait encore démonter autant qu'il s'est fait démonter au match d'avant. Parce que vu comment il se faisait bâcher à chaque action contre Rudy là, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer là. Est-ce qu'on va être dans le même délire ou est-ce qu'il va prendre sa revanche? Faut que je sache. Allez, D'Angelo Russell. Je t'avoue, je sais pas si D'Angelo Russell jouait la dernière fois qu'on a joué contre eux. Quoique à ce moment-là, j'étais pas encore titulaire, je crois. Donc peut-être que c'est juste que je l'ai jamais vu parce que j'étais contre les mecs du banc. Je sais pas. Dans tous les cas, qu'il soit là ou pas, ça changera pas le résultat. Nope. Bien vu. Le match commence sur une passe D pour Donovan Mitchell. C'est obligé d'être un super match alors. Ça commence comme ça, frère. Comment on peut échouer? Ah, je suis Keblo. Je suis Keblo derrière le gros corps de Gobert. Tellement c'est un bon défenseur, il m'a défendu moi. Oh là là. Ce poignet, c'était de la danse. Ce poignet, c'était artistique, ouais. De la danse classique, carrément. C'est là. J'ai cru que ça allait recommencer, frère. Je voyais le badge déjà. Let's go. Reste à l'affût d'Angelo. Do not sleep, my friend. Et Russell, il tire plus vite que son ombre, frère. Le Lucky Luke de la brique. Pour l'instant, on n'a pas trop vu de... J'allais dire de domination de Gobert sur Towns, mais là, il y a une domination des Jazz sur les Timberwolves. Hein. Laisse tomber. Regarde comment ils prennent cher. Ouf. Oh, wow. Attention devant. Et je sens qu'on va les éteindre facilement, les Timberwolves, là. Et je suis en train d'avoir une idée dans ma tête, là. Ceux qui regardaient mes carrières dans le passé, ça, ils savent que j'aime pas trop souffrir, tu vois, dans une équipe. J'aime pas être dans une équipe qui est vraiment trop nulle, qui fait vraiment trop de la merde, tu vois. Allez, Rudy. Oula. Mais j'aime pas non plus être dans une équipe qui est trop facilement forte, tu vois. Genre, à un moment, j'étais avec les Clippers. Je crois que c'était surtout Kevin. Et genre, on dominait tout le monde, mais c'était trop simple, tu vois. Et là, comme on est premier de l'Ouest, même dans la vraie vie, les Jazz, ils n'arrivent pas à perdre un match, là. Ils sont bien chauds. Je me dis, peut-être, je pourrais demander un transfert à une équipe un peu moins chaude, tu vois. Qui a peut-être besoin un peu plus d'un joueur comme Franco la longueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me faudrait une équipe qui est pas genre méga forte, tu vois. Mais pas forcément la pire équipe de l'histoire non plus, parce que déjà qu'avec Donovan Mitchell, frère, des fois ça galère. Donc je sais pas, je vais voir. On va voir. J'ai même pas une équipe en tête là tout de suite, mais peut-être qu'on transférera notre ami la longueur, peut-être. N'hésitez pas à lâcher des suggestions d'équipe dans les commentaires, hein. C'est pas sûr que je les écouterai, mais peut-être, on verra. Voilà, mi-temps 53-39. Je sens que ce match on l'a en main. Je vais pas vous mentir. En fait, j'avais même pas fait gaffe, mais ouais. Là, on y continue à se faire bâcher, hein. Ah, par contre, à 3 points. On a gagné facilement contre Minnesota, hein. C'était prévu. Ok, donc sur ce la famille, je vais réfléchir pour voir dans quelle équipe je demanderai ou demanderai pas un transfert. C'est pas encore confirmé, on verra. Mais bon, en attendant, merci d'être là. Faire pas à déter.
I'm on my Seance shit. I'm trying to make $1 million. Keep a hood while crossing over on some AI shit.